Diana, elle n'arrête pas de parler gris. Les joueurs d'Edmund. Bonjour, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour une vidéo sur Hitman Absolution. Un petit délire, un petit mode extermination, ça fait un moment. Et on va le faire sur Terminus, l'hôtel Terminus. Oui, avoue, je suis logique. Bon, on va commencer avec quoi ? Ah, le costume de... Ah, le costume de police. On va commencer avec ça. Et on va commencer avec quoi, là, comme flingue? Ouais. Avec quoi on pourrait commencer? Oh, on va commencer avec celui-là. Vous voyez? Et on va se le faire. Non, pas en difficile, en normal. Hein. Non, sinon je risque jamais de le réussir. Hein. Il y aura beaucoup trop d'ennemis et je risque de me faire dégommer beaucoup trop rapidement. Ce qui est pas mon but. C'était juste pour vérifier que j'avais mes lumières. Bonjour, je m'appelle Garanfet. Bon. Bonjour. Je crois qu'il est mort. C'est une scène de crime. Le mec. C'est une scène de crime. C'est vrai que je peux me balader avec l'arme tranquille. Bonjour les gars. Connard, c'est pas moi, je vous jure. Fallait pas parler à mon pote comme ça. Hey, personne va me voir. Ouais, mais t'as vu comment il a traité comme une merde mon pote? Hey, il méritait pas de lui parler comme ça. À mon pote, on lui parle pas comme ça. Mon pote, on l'appelle Bandidos de la Putas. Je veux pas savoir pourquoi. Salut. Ta gueule. C'était pas moi. Je vous jure que c'était pas moi. Il me verra pas. Bonjour. Bonjour. Ça chauffe. Mais c'est comme mon whisky. Bonjour, comment ça va? Bien la famille et tout? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est fait tirer dessus? Ouais. Bon. Wow! C'était quoi ce truc? J'ai traversé le sol! C'est pas toléré ici, hein? Peut les avoir. Juste que je les... Personne n'a rien vu. C'est pas moi. Vite. Chut. Non, non, on l'aura pas. Une femme.
ta mère. C'est ton grand-père. Alors, madame, vous êtes passée où? J'ai plus le cadavre. Ah, c'est quoi ce bordel? Hé, Robert! Ta gueule. Merde. Oui, merde. Tiens, ça c'est de la grosse merde. Bon, j'ai des gros problèmes. Une brique. Oui, j'ai une idée. C'est une belle idée. Non, j'ai con, c'était de la merde. Faut que je monte. Comment on monte? Comment on monte? Ouais, je sais pas. Hey, comment t'as fait? Oh ouais, tu vas être ma petite. Ta gueule! Tu vas être ta petite. Voilà. Ta petite, elle est morte. Coucou. Allez, ouvrez les yeux. Ta gueule. C'est pas moi. C'est faux. Y a rien d'anormal ici. Je me casse. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai d'aller ici, quoique. Il faut que je me débarrasse du corps. Ouais, je sais, ils l'ont déjà sûrement remarqué, mais il faut que je me débarrasse de lui. Chut. Tabernacle. Ouais, c'est pas moi. Gueule! C'est faux, c'est pas moi, c'est pas moi. Putain, il me faut une arme. Je vais m'introduire par l'autre côté. Personne ne saura jamais rien. Hormis les trois alcooliques l'autre jour. Mais on s'en fout d'eux. Bon. Je crois que vous allez pas arrêter de m'emmerder. Oh putain de merde. Oh. Venez, je vous attends. Allez, monte ta gueule, petit con, hein. Si ta yo. Je crois que nous avons quelqu'un là-bas. Je crois que nous avons un intéressé. Coucou. Ta mère. File-moi tes vêtements. Allez, maintenant, on va passer un peu plus discretos. Bon, j'ai plus de munitions dans mon gun. Mais je sens que je peux encore me débrouiller. Salut, mec Ben. T'es tiens, pauvre. C'est faux! Il faut une arme. Mais putain. Le mec, c'est limite, il va me tirer dessus alors qu'il sait même pas où je suis. C'est quoi ces mecs?
Comment ils savent que je peux être là-bas? Faut que je retourne en bas. T'es mec. T'es mort. T'es mort! Et en plus, t'as pas vu, y'a mal à bord. Ok, moi je me casse. Cool, oh la dada, cool. Moi je me casse. Ouais, vite, on descend. Oui, je sais, j'ai pas une meilleure solution. Bon, je crois que j'ai plusieurs mecs qui vont m'emmerder. Ta gueule. Je vous le jure, je suis innocent. Par la tête de ma grand-mère, c'est vrai ce que je vous dis. Bon, visiblement, il n'y a personne. Ils sont tous partis. Et toi, tu dégages. Un fer à repasser. J'ai pas assez repassé de fer. Bon, je reprends le fer. Et je vais leur cramer leur conche à ces petits cons. Chut, on va rien lui dire. Ta mère la pute! Ça marche toujours cette technique. De ta mère la pute. Ouais. Meurs ! Salut ! Il faut une tenue pour faire son jogging. Oui. En effet. Chut ! Chut ! C'est pas une tenue pour faire ton jogging ! Lui, c'est fait. Hé, hey, mec, tu sais quelle est la racine carrée de Pythagore? Hé, hey, psst. Hé, hey, oh, fais-moi un bisou. Hein, un bisou. Un bisou. Ta gueule. Le premier qui vient me faire chier, il se prend une balle. Je suis sûr qu'il va rien remarquer. Oh non, je dois aller pisser. J'arrive pas à y croire. Bah va pisser, mec! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis en train de lire. Ici, c'est ici. Ah bon? Mec, t'as le sixième sens. Moi, je vais dans les toilettes. Si évidemment ça vous dérange pas. Un démouchoir. Moi, j'aurais besoin de démouchoir. Ouais, celui-là est... Le mec, c'est un peu téléporté. Je cinglais encore dans les environs. Mais... Voilà, ça c'est fait. La bouteille de gnôle, j'en veux pas. Dégage! Putain, je me rate. On recommence. Avec plus d'émotion. Oh, cette bouteille est plus forte. Allez savoir pourquoi. Alors, qui sont les petites saucisses qui restent? Mais je crois que j'ai un tournevis, là.
Un bon petit tournevis. Quelqu'un a besoin d'un petit tournevis? Personne n'a rien remarqué. T'as vu, tellement on s'en fout de ta mort. C'est qui ça? C'est personne, Robert. Vous n'avez rien vu. C'était pas moi. Ouais, c'est ce que je suis en train un peu de faire, les gars. Salut. N'aie pas peur, je suis ta femme. Tu sais que tu devais rentrer à midi, hein? Tu sais ça? Tiens-moi! Ta mère! C'est pas moi! Alors? C'est qui le plus fort? Hein? Faudrait apprendre à tirer, hein? Si on veut réussir. Et moi, j'ai quelqu'un à m'occuper, là. Un témoin gênant. Coucou, je suis vivant. Au revoir. Ah, c'était une mission facile. Ah bah, j'espère que ce mode extermination vous aura plu. Au revoir, les gens.